cadre d'un programme européen, on a étudié la diversité génétique des différentes populations alpines. Donc il s'est avéré que celle de l'Argentera mercantour avait la plus faible diversité de toutes. Et à contrario, côté Grand Paradis et Vanoise, on a une diversité qui est importante. L'idée de l'opération, c'est une translocation, c'est-à-dire on va prendre des individus ici pour apporter vraiment d'autres gènes. Et notre objectif, c'est vraiment d'avoir des animaux plutôt jeunes pour qu'ils se croisent avec les locaux. Et donc, dans le parc national de la Vanoise, on a deux souches génétiques différentes déjà. Dans la vallée de Modane, on a des animaux qui ont colonisé naturellement depuis le Grand Paradis, donc vraiment la souche dite historique. Et dans la vallée de Champagny, on a plutôt des individus qui ont été réintroduits depuis une population suisse. On essaie de mettre un petit peu plus de femelles parce que ce sont quand même elles qui ont le plus de chances de se reproduire. Entre 3 et 7 ans, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et puis ensuite, on va prendre des mâles entre 4 et 7 ans. Et on espère qu'ils aient un succès important auprès des femelles dans le Mercantour. Là, on est en train de préparer les fléchettes pour la téléanesthésie. Donc, on fait un mélange de deux produits dissociatifs du système nerveux central, hein, parce que les anesthésies graisses, ça a des effets secondaires très embêtants sur les ruminants. Ça les empêche d'avoir leur système interne qui fonctionne bien. Donc, c'est vraiment à la limite du seuil d'endormissement. Et on a également des systèmes d'antidote si jamais ça se passe mal. Quoi. La capture de bouquetin, ça reste quand même un domaine extrêmement spécialisé parce que bon, c'est des animaux de rochers, de barres rocheuses. S'il y a le moindre pépin, une chute est systématiquement fatale. Donc là, on est obligé d'avoir des protocoles anesthésiques très particuliers et ça veut dire que les animaux peuvent réagir. Voilà, je tenais à tous vous remercier d'être là, de vous être mobilisés pour l'opération et j'espère que ce sera un franc succès. Un grand merci aux collègues de la Vanoise pour tout le boulot fait en amont. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attraper des bouquetins. Hein. Aujourd'hui, donc, il y aura deux équipes de capture. Nico a donné l'ordre de déclencher la cage là-haut, donc il y a une femelle à la cage. Donc il y a une équipe qui va partir à la cage et une équipe en téléanesthésie au-dessus du bois. Donc l'objectif de capture, c'est 12 femelles et 8 mâles sur 2 semaines de capture, de grandes méthodes de capture. Hein. On a un projecteur téléanesthésique, un fusil téléanesthésique, où on projette à distance un sédatif sur les animaux. Et puis on a les méthodes dites mécaniques. Vous avez une cage-piège dans les parois rocheuses. Du sel est disposé dans la cage et on a deux opérateurs qui se trouvent sur le versant d'en face avec une télécommande et une longue vue. Et quand les animaux ciblés sont dans la cage, on appuie sur un bouton. Les deux pans de la porte se referment et les équipes sont prêtes à intervenir, donc monter à la cage pour faire l'ensemble des manipulations sur les animaux. La logistique d'une opération comme ça, c'est quand même conséquent en termes d'organisation, en termes de mobilisation de personnel. On est tous des professionnels, on est habitués à pratiquer ce genre de capture. Nous sommes dans le parc national de la Vanoise, donc on laisse les équipes en place réaliser tout ce qui est opération de capture et les équipes Mercantour sont essentiellement là pour faire la logistique autour et assurer le portage des animaux entre le site de capture et les accès routiers pour arriver sur la bétaillère. La voie d'accès à la cage, elle est assez verticale. On a besoin de travailler en sécurité. Et donc, il a été nécessaire d'installer un dispositif qui nous permette de sécuriser les opérateurs. Laisse-moi que j'oublie les pédales. C'est bon, tranquille. Faudra bien lui mettre le masque, mais on le remettra en bas. On prend toutes les précautions nécessaires, vraiment toujours dans le respect de l'animal. On est vraiment là pour que ça se passe le mieux possible pour les animaux, on met tout en œuvre pour ça. Donc on chuchote, on essaie vraiment d'être le plus discret possible autour de l'animal. Moins on manipule les animaux dans le temps, moins ils sont stressés. D'où l'idée qui a jailli des équipes du parc de la Vanoise et notamment des cordistes de déployer une tyrolienne depuis le haut de la vire jusqu'aux premières pentes enherbées où les opérateurs peuvent accéder en toute facilité, toute sécurité pour porter l'animal et le transvaser dans la bétaillère de stockage. On a fait appel à d'autres partenaires pour nous prêter main forte sur certaines opérations techniques telles que les pompiers. C'est vraiment appréciable parce qu'ils sont habitués à se déplacer en montagne avec des brancards sur le dos comme ça.
Pour nous, cette opération est extrêmement sensible et c'est pour ça qu'on va prendre énormément de précautions pour le bien-être des animaux. Pour nous, le bouquetin, c'est une espèce qui symbolise la réussite de la protection de la nature. Et c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, ça veut dire une espèce pour laquelle les gens, à travers ce symbole, prendront conscience de la valeur de la protection de la nature et du travail qu'il y a à faire pour restaurer notre biodiversité. Quand on tire et qu'on touche l'animal, on vous avertit, vous pouvez commencer à monter doucement parce que l'animal il a une myorelaxation donc il tombe au sol, mais il a les perceptions toujours. Et puis après, il faut qu'on attende 20 minutes pour qu'il y ait un total endormissement. L'objectif est d'approcher suffisamment près les animaux pour procéder à un tir efficace. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, on est sur une opération vraiment exceptionnelle, hein, puisque la dernière date d'il y a 15 ans. Donc, opération exceptionnelle, moyen exceptionnel. Les collègues de Vanoise ont fait beaucoup de travail pour mettre en place tous les systèmes de capture. On travaille avec des animaux sauvages, avec du vivant, donc il faut s'adapter en permanence. À partir du moment où les opérateurs s'approchent, c'est le silence absolu et les équipes sont rodées. Il y a une forme d'alchimie entre les équipes, chacun connaît sa partition à la perfection. On profite d'avoir un animal en main, puisque c'est quand même un événement rare, pour faire tout un tas de relevés de la biométrie, ça veut dire qu'on va mesurer la croissance des cornes, la croissance des rayons osseux, pour apprécier l'état de développement des individus dans une population donnée. Ensuite, ça nous servira à les comparer les uns avec les autres. On va faire aussi des prises de sang, des prélèvements biologiques, et ça, c'est un aspect aussi important de ces captures, parce qu'il faut établir le statut sanitaire des populations. Les individus qui seront transplantés de Vanoise au Mercantour, il faut aussi qu'on soit sûr qu'ils soient indemnes de maladie. Et certaines sont des analyses libératoires, ça veut dire qu'on va faire les tests immédiatement, avant qu'ils partent de Vanoise, pour savoir s'ils sont aptes à aller dans leur nouveau lieu d'accueil. On a un marquage auriculaire avec des couleurs qui sont spécifiques à chaque individu. Ils vont les garder tout au long de leur vie et ça nous permettra de les suivre, on espère, le plus longtemps possible pour ces animaux qu'on va transférer. Chaque animal qui sera relâché sera équipé d'un collier GPS. Donc ça, ce sont des colliers avec une batterie ici et puis un émetteur GPS là. Ces colliers, ils nous renvoient des données tous les jours. Donc quotidiennement, on sait ce que font les animaux, où est-ce qu'ils se trouvent. Et au bout de 2 ans, il y a un petit système à l'intérieur qui permet de le déclencher à distance. Donc on n'a pas besoin de recapturer l'animal. Il nous a donné des données pendant 2 ans. Ensuite, il est libéré de ce collier. C'est un appareil qui fait 900 grammes sur un mâle qui va faire entre 70 et 90 kilos. C'est tout à fait acceptable. Ceux des femelles sont un petit peu plus petits. On effectue les captures en journée et chaque nuit, un camion part avec les animaux capturés en journée. C'est-à-dire qu'on ne les garde pas plus de 24 heures pour vraiment limiter au maximum le stress. Le stockage, c'est vraiment quelque chose qui va les stresser, donc 24 heures maxi. Donc là, ça c'est cet hiver, l'hiver dernier, l'hiver d'il y a 2 ans, l'hiver d'il y a 3 ans.
Et là, c'est l'anneau du cabri. On a choisi de faire ces transports de nuit pour respecter leur horloge interne, parce que c'est le moment où ils dorment. Et au petit matin, finalement, l'ensemble des produits qu'on leur aura administrés sera métabolisé. Donc les animaux sont frais. Ils sont aussi vigiles pour conquérir leur nouveau territoire. L'avantage qu'on va avoir dans le Mercantour, c'est qu'ils vont arriver à un endroit où il y a déjà des bouquetins. Donc ils vont s'insérer auprès de leurs congénères et en gros ils vont apprendre d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont suivre les individus locaux qui vont leur montrer les différentes zones où il y a du sel, c'est quelque chose qu'ils recherchent particulièrement, notamment au printemps, les bonnes zones pour s'alimenter. Quand on transfère des animaux à un endroit où il y a déjà des bouquetins, ça se passe toujours beaucoup mieux que sur une réintroduction où on a des animaux qui découvrent le territoire et qui ont tendance à partir très très loin en général. Cette espèce bouquetin des Alpes, elle conditionne la présence d'autres espèces. On sait que l'espèce Gypaète barbu, elle est présente sur les zones où les populations de bouquetins des Alpes sont présentes, puisque le bouquetin des Alpes constitue de la ressource alimentaire pour ces populations de Gypaète barbu. Soulagement de les voir repartir en plus aussi vif, aussi éveillé. Oui, oui. Mission accomplie là pour cela.